Then I come boom boom tam tam tam, by me come boom boom tam tam. Then they she boom boom tam tam tam, by me she boom boom tam tam. Then Balkum boom boom tap tap, boom boom tap tap. Aucun instrument, juste leurs cordes vocales et des performances incroyables. On appelle leur discipline le human beatbox, en français la boîte à rythme humaine. Et ils sont passés maîtres en la matière. Les quatre membres de Berrywam sont les invités de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour donc à Wawad, bonjour. Beastie, Beatness et Readmind. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Alors je dois dire, c'est la première fois que je reçois des beatboxers sur le plateau. Pour qu'on se rende compte quand même de l'étendue de vos compétences et de votre talent, je sais que tout le monde est un peu polyvalent, mais vous avez peut-être chacun votre son peut-être préféré ou de spécialité. Mmh. On fait un petit tour de table. Allez, Wawad. Ça marche. Mais, donc moi c'est Wawad, mes spécialités dans le groupe c'est plus toutes les sonorités aiguës, les claves et les trompettes. Par exemple. Bah, moi c'est Beastie du coup, et je chante plutôt dans le projet et j'aime bien faire des scratchs. Bon, c'est mon petit kiff. Voilà. Moi c'est Beatness et ça va être plus tout ce qui est son de basse, mes spécialités. Donc par exemple... Et moi c'est Readmind et ça va être plus la rythmique. Bon, alors c'est déjà impressionnant quand on vous entend chacun, mais c'est vrai que la magie du beatboxing, ça opère vraiment quand on vous retrouve tous ensemble, oui, et que tous ces sons se rencontrent. Comment est-ce que justement est né le projet de Berrywam? Le groupe, il est né... à la base, c'était plus juste pour le faire les championnats de France de beatbox, où du coup, on était tous potes, on s'est dit pourquoi pas se réunir et faire cette rencontre, donc ce championnat. Et on était censé s'arrêter après, c'était juste un kiff entre potes. Et en fait, on s'est tellement bien entendu musicalement, en plus de notre amitié. Du coup, on a dit, on essaie de continuer et on verra. D'ailleurs, je crois que Berrywam, c'est ça, vos initiales. C'est ouais, la première lettre de nos noms respectifs. Ouais. Bon, alors en tout cas, ce qui a lancé votre projet, c'est notamment vos reprises de grands tubes uniquement faites à la voix et que vous avez commencé par diffuser sur les réseaux sociaux. C'est très impressionnant. Là encore, on va regarder quelques images. Somewhere far away, I won't. Movie, this time I saw this movie. C'est incroyable. À chaque fois, on regarde, on se dit, mais c'est pas possible, il y a un truc. Comment justement vous travaillez? C'est un sport presque de la bouche, des cordes vocales? Ouais, c'est une activité qu'on fait tous les jours. Donc du coup, ça devient automatique comme lire ou écrire. Et après, à quatre, ça pareil, c'est un autre travail où il faut essayer de se synchroniser, d'écouter l'autre aussi, et pour essayer de faire la musique la plus parfaite à quatre. Et comment on décide qui fait quel son? C'est en fonction de nos spécialités et puis en fonction du son qu'on va faire, du morceau qu'on va faire, on va se dire ta basse elle sonne comme ça, ton rythme sonne comme ça, donc on va utiliser celui-là, on prend le meilleur de chacun pour le mettre à profit du groupe. Je crois que vous, Wawad, vous savez nous faire un beat, donc c'est-à-dire le rythme et un peu une harmonie ou une... Ouais, c'est ça, c'est une technique utilisée beaucoup dans le beatbox qui s'appelle la technique du humming, donc qui veut dire fredonner en fait. Et du coup, donc avec le nez, on va faire sortir une mélodie. Donc par exemple... Et en même temps, je rajoute du coup le beatbox. Et en même temps... C'est là qu'on a l'impression que c'est un peu magique. Hein. C'est ça. C'est comme de la magie. Moi, je suis incapable de faire des sons différents avec mon nez et ma bouche. En tout cas, depuis les débuts du groupe, les succès s'enchaînent. 2016, vous devenez champion de France de beatbox. 2018, champion du monde. Et en 2019, vous arrivez en demi-finale de America's Got Talent. On vous voit là. Vous avez ambiancé le public et le jury. C'est quand même un concours suivi par 20 millions d'Américains chaque semaine. Enfin, vous nous racontez un peu cette expérience, j'imagine, un peu spéciale, puisque le beatboxing est né aux États-Unis dans les années 70, au Bronx, à New York. C'était important pour vous d'être là-bas?
c'était très important et ça nous a mis une pression un peu particulière, sachant que bah, les Américains connaissaient le beatbox et c'est né chez eux et il ne fallait pas se rater. Et comme disait Beastie, c'est, on est les petits Français qui arrivent aux États-Unis. Les Frenchies. Les Frenchies. Mais en France, ça commence à bien fonctionner aussi le beatboxing. Vous voyez une évolution? Oui, il y a une évolution depuis 5-6 ans, on voit quand même une évolution. Ça met plus de temps qu'ailleurs, qu'en Angleterre, aux États-Unis ou même d'autres pays qu'on a pu faire en Europe ou en Asie où c'est vraiment beaucoup développé là-bas. Mais ça prend du temps, mais on y arrive petit à petit avec des groupes comme nous et d'autres aussi qui font développer le mouvement, donc ça fait plaisir. Alors en tout cas, des reprises, vous êtes passé à la composition de vos propres morceaux. Exactement. Vous venez d'ailleurs de sortir votre premier album qui s'appelle évidemment No Instrument. On va tout de suite écouter un extrait. Voilà, Give It Up de Berry Wham qui cartonne. Donc ici en France, vous avez enchaîné les collaborations, notamment avec Fefe, Big Flo et Oli. Et vous étiez tout récemment à l'Olympia. On a vu sur votre YouTube, vous avez vlogué, comme on dit dans le jargon des réseaux sociaux, ce concert. De quoi ravir vos fans. Ça se passe beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour vous, notamment sur TikTok. Qu'est-ce que vous permettent ces plateformes? On voit voilà, justement cette vidéo. Qu'est-ce que vous permettent ces plateformes? Ben, ça nous permet tout simplement de se promouvoir un maximum. Et du coup, de pouvoir remplir un Olympia derrière, tout simplement. Parce qu'on a quand même rempli un Olympia sans album. Donc c'est quand même assez rare pour un groupe de faire un Olympia à son nom sans avoir sorti de projet. Et du coup, ça c'est la force des réseaux sociaux qui nous ont permis ça, tout simplement. Parce que ben, les gens nous découvrent avec des petites vidéos très courtes, les formats TikTok très courts. Et du coup, les plus curieux du coup, nous suivent sur YouTube avec des vidéos plus longues. Et pour les plus curieux, ils viennent nous voir en concert. C'est voilà. Un lien aussi avec vos fans, j'imagine. Vous trouvez que ça a un rapport privilégié grâce à ça? Ouais, je pense qu'ils viennent. Oui, il y a une forme d'intérêt. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance à être très léger, à montrer l'étendue du beatbox sur des formats très très courts, notamment les TikTok et tout ça. Et oui, ça fidélise, disons, notre public. Et puis, ils sont joués. Ils ont hâte de nous voir. En tout cas, à chaque fois, ils sont... Ben oui, la preuve, parce que vous avez quasiment 12 millions d'abonnés sur TikTok. Et c'est vrai que la plateforme est devenue un nouveau tremplin pour les artistes. Regardez. De jeunes inconnus devenus en quelques jours des stars. Le rappeur Lil Nas X est resté 19 semaines consécutives en tête des ventes de disques aux États-Unis. Un record. L'adolescente Gayle a réalisé l'exploit de battre Adele dans les classements britanniques. Et Cocorico, ce titre de la française Weshden, cumule plus de 50 millions d'écoutes en ligne. Leur point commun, ces artistes ont tous été découverts sur TikTok. Cette application de partage de courtes vidéos musicales où des chansons deviennent virales grâce à une chorégraphie ou un playback. Un succès mondial convoité par les maisons de disques. Sur certains projets, avec une cible clairement identifiée, on parle même de chansons tiktokables ou de refrains. Et on peut aller chercher dans la conception ou l'écriture de la chanson, ce qu'on appelle la top line ou la gimmick, dont on pense qu'en quelques secondes, ça peut marcher sur TikTok. Mais l'application a ses limites. Elle ne permet pas aux artistes de générer assez de revenus. Le but, donner envie aux auditeurs d'aller sur des plateformes plus rémunératrices. Ils n'ont que 15 secondes ou 30 secondes de disponibles sur l'application. Forcément, les plus curieux iront faire une transformation sur le stream ou sur YouTube pour voir les visuels et le clip officiel. TikTok est donc un moyen de promotion simple et efficace, même pour les stars de la musique, comme Ed Sheeran. Ou Coldplay. Personne ne s'y est trompé. Moi, j'ai une petite curiosité. Il y a des sons qui vous résistent quand même, que vous n'arrivez pas encore à maîtriser? Bien sûr. Le piano, c'est quelque chose de quasiment impossible à la voix à faire. Tous les instruments à cordes. Cordes, pardon. Ouais. Qui ont une sonorité assez spéciale. Ouais, c'est quand même...
Ouais, un challenge. Cette espèce de gratter de cordes, le fait de taper sur un marteau sur une corde, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire, en fait. Juste physiologiquement, c'est juste pas possible. La résonance, comment c'est fait, c'est pas impossible. On peut s'en rapprocher, mais ça ne sera pas exactement pareil. Ah, peut-être, ouais. Il faut encore travailler. C'est ça. Mais il y a des instruments qui... Bah, aucun instrument ne peut refaire ce qu'on fait non plus. Donc, on peut inventer aussi avec la voix. Et c'est ça qui est magique avec la discipline, c'est qu'on peut faire des choses que des instruments ne peuvent pas faire non plus. Donc, on ne peut pas faire le piano, mais on peut faire d'autres trucs. Ouais, d'où ce titre, No Instruments, c'est le titre de cet album. Je l'avais là, on va vous le montrer à l'image. No Instruments, et vous faites la tournée des festivals en France, en Belgique aussi, je crois, cet été. Merci beaucoup, Berry Wam, d'être venu sur le plateau de À l'affiche. Vous finissez par un petit live, vous voulez bien nous faire quelque chose? Juste le temps que je remercie quand même les téléspectateurs de nous avoir suivis et de vous rappeler de nous retrouver sur nos réseaux sociaux et France24.com. Et maintenant, je laisse les micros au génie du beatboxing, Berry Wam. Nous avons un mot après un tango. On s'en bat les trois pas si un rythme est en bout. Mes éclats, on s'ennuie dans What We Do. So let me tell you. Quand battle de danse dans l'arena, je coup de boisse, moi mais en pas de Macarena. Peut-être même Alison, Madison pour le FNA. Même à Miami, on danse le mire. Les pompiers, pas besoin de Félina. Quand ça nous capte, peut ruiner l'élastique. Puis on se la gaffe ou prépare, rester statique. Tout ça ou apprendre, vous mettez en pratique. This is Berry B, man, you cannot fight with. Yes, bravo. Merci beaucoup. C'est impressionnant. À chaque fois, on se dit...